actuellement, nous n'avons que de potentialités, et dans tous les domaines matériels, humains. Mais demain, nous serons la réalité. Cette réalité, c'est vous, les jeunes scientifiques et techniciens, cette réalité, c'est vous qui la bâtirez. Récemment, on m'a demandé quoi ? De réduire le prix du kilo de café consenti à nos paysans. J'ai dit non. Et je le redirai mille fois non. Il s'est saigné à blanc pour nous, ses petits-enfants. Il a consacré sa vie pour nous, ses petits. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre. Mahomet et Jésus-Christ. On vient juste pour remettre la coupe à son capitaine, son grand capitaine, son excellence. Le président de la République. Très bien. Pouvez-vous nous regarder, monsieur le président? Ça va? On voit l'église en même temps? Oui. Ici maintenant. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, qui ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Pour revenir à l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. J'en arrive. Voilà. J'arrive à l'Afrique du Sud. Vous savez bien que nous avions préconisé depuis longtemps le dialogue avec l'Afrique du Sud. On ne nous a pas compris. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura des conflits. Il n'y a pas trois voies pour résoudre ces conflits, mais deux. Ou le recours à la force, ou le recours au dialogue. Nous, nous avons choisi le dialogue. President Hufeyponi is now 86 and has become perhaps the elder statesman of Africa. And it is therefore our wish to come and pay respects to him and also to thank him for the assistance that he has given to our people. Thank you.
très chers enfants et petits-enfants. Dans 6 jours, je présiderai peut-être pour la dernière fois à l'ouverture de notre congrès à Yamoussoukro. Ne soyez pas tristes. Vous êtes là, les jeunes. On vient de le rappeler très éloquemment. Je ne suis pas seul. J'ai des enfants, des petits-enfants qui poursuivront demain notre action en faveur de notre beau pays.